Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir sur Canal. Comme on dit aux grands événements, les grands moments et aux grands moments, tout simplement les grandes émissions. Et cette grande soirée sur Canal Algérie intitulée Génération Indépendance sera consacrée évidemment à cette fameuse date, celle du 5 juillet. Double occasion, de grandes célébrations. On commencera d'abord avec cette commémoration, celle de la fête de l'indépendance, ici à partir du Jardin d'Essai. On avait commencé d'ailleurs en musique avec un maître, un maestro. Il s'agit tout simplement d'Amin Kouider, que vous allez retrouver dans cette émission. Et ce fameux volet histoire, on lui consacrera une bonne partie de cette émission. 5 juillet 62, 5 juillet 2018, 56 ans après, on en parle. L'écriture de l'histoire, ceux qui ont contribué à son écriture, qu'en est-il aujourd'hui de la jeune génération? Connaît-elle réellement cette histoire? Qu'a-t-on raconté? Qu'a-t-on oublié? C'est peut-être l'occasion de revenir sur toutes ces questions à travers le cinéma, à travers l'histoire, à travers également les publications existantes, que ce soit sur le web ou encore dans les ouvrages écrits par des chercheurs, par des historiens et par des passionnés. Mais ce sera aussi l'occasion de célébrer cette génération post-indépendance, car ce 5 juillet, c'est aussi la fête de la jeunesse. Et cette fête de la jeunesse, on va la raconter à travers plusieurs volets. D'abord avec Imane Khmissi, que vous retrouverez tout à l'heure dans son plateau à elle avec des aventuriers. Des aventuriers, des jeunes qui, eux, se sont lancés le défi de partir à la conquête du monde de l'entrepreneuriat. On en parle avec elle d'ailleurs, avec plusieurs profils qu'elle nous présentera aujourd'hui. La culture, la musique, le cinéma, on en parle
parle là aussi. Nous y reviendrons durant cette soirée avec un spécialiste maison. Il s'agit de Mounir Larache qui lui reçoit deux brillantes et jolies jeunes femmes sur son plateau pour nous parler de leur passion à elles, pour revenir un peu sur leur histoire à elles. Et c'est peut-être l'occasion de parler de cette nouvelle génération qui arrive et qui est celle de l'après 62, qui n'a pas connu la guerre, mais qui connaît une partie de son histoire et qui le vit aujourd'hui, qui le pratique et qui le développe et qui le crée à travers son art. Ce sera aussi le moment de faire le point avec le sport avant 62, le sport après 62. Ça se passe avec Hakim Kushroud. On parlera du sport, de son histoire, de son passé, mais surtout de son futur. On parlera des Jeux africains qui vont se dérouler en Algérie. On parlera des Jeux méditerranéens qui vont se dérouler aussi en Algérie du côté de la capitale de l'Ouest. Et ce sera en 2021 du côté d'Oran. Alors, l'occasion aussi de retrouver qui ? Ben le fameux maître, le fameux maestro qui a ouvert cette émission. Il s'agit d'Amin Kouider, mais il sera accompagné par notre fil rouge de l'émission, Amin Nebesh, qui a contribué vivement et grandement à cette émission, à l'élaboration de cette émission, que vous retrouverez durant cette émission, qui vous racontera tous les morceaux racontés, interprétés par les musiciens de l'orchestre d'Amin Kouider. Il sera là en tout cas et ce sera l'occasion de redécouvrir Amin Nebesh avec son nouveau visage, sa nouvelle facette. Il ne parlera peut-être pas de cinéma, mais lui s'arrêtera sur la musique et pas n'importe desquelles. Il s'agit de la musique d'Amin Kouider. Et on finira tout à l'heure par ce monde dans lequel on vit. On vit dans ce 21e siècle avec des technologies, avec de nouvelles méthodes de communication. Il était important pour nous, durant cette célébration, durant cette grande soirée, de nous arrêter un peu sur les réseaux sociaux, sur le rôle que jouent les réseaux sociaux de nos jours dans la diffusion de l'histoire, dans sa protection également, dans ses différentes versions également racontées. Et ce sera Youssef Dihili qui sera avec nous, notre spécialiste média sur Canal, pour nous raconter un peu tout cela à travers une intervention en fin d'émission. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Canal et bienvenue dans cette soirée Génération Indépendance. On va céder la parole sans plus tarder à Amin Nebesh. J'en parlais il y a quelques instants. Ben le voici, tout beau, avec un invité, pas des moindres, un invité international, mais lui saura mieux le présenter que moi ce soir. Amin Nebesh, vous êtes avec Amin Kouider. Amin Nebesh, c'est à vous. Bonsoir Mahrez, bonsoir à nos invités, bonsoir à toutes et à tous. Célébrer la date du 5 juillet 1962, fête de l'indépendance, mais également fête de la jeunesse. Pour nous, c'est à la fois avoir une pensée profonde à celles et à ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté du pays, mais c'est également une occasion pour nous de s'arrêter, de ponctuer les grandes étapes qui ont marqué la construction, l'édification et le développement de notre chère Algérie depuis 56 ans. Avec ce plateau artistique qui va être animé par, bien sûr, les musiciens de l'Orchestre Symphonique ACEMA, dirigé par le maestro Amin Kouider, qui est également artiste pour la paix à l'UNESCO, nous voulons tout simplement vous faire voyager à travers les régions de l'Algérie pour vous raconter notre histoire commune par la magie des notes musicales, mais pas que, parce que nous voulons aussi vous faire voyager à travers les émotions, à travers la joie, à travers l'espoir surtout. Eh bien, écoutez, il est avec nous, permettez-moi de l'accueillir tout de suite. Bonsoir, monsieur Amin Kouider, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie et merci surtout d'avoir voulu partager avec nous et avec l'ensemble du peuple algérien cette grande date d'une fête nationale. Salam alaikum, je souhaite une très bonne fête, on se souhaite une très très belle fête, l'hana ou l'khair, inchallah, pour notre pays. Merci, c'est moi qui vous remercie donc de l'honneur que vous nous faites avec mes amis musiciens d'être ici parmi vous pour célébrer donc cette date extraordinaire pour nous. Et je souhaite vraiment vous dire aussi que ça va être un voyage musical à travers des notes de musique, comme vous l'avez si bien dit, avec mes amis musiciens qui sont à côté de moi. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de l'indépendance, on parle bien sûr de construction du pays, on parle d'acquisition. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un magnifique orchestre symphonique, d'un opéra également. C'est bien sûr une formation composée de beaucoup de jeunes, on les voit aujourd'hui, qui bien sûr font rayonner la culture algérienne, notamment musicale, qui font représenter ou qui représente notablement l'Algérie dans les différentes manifestations culturelles. Vous qui êtes un spécialiste de la musique, vous qui êtes un chef d'orchestre, vous qui connaissez si bien la musique classique, qu'est-ce que signifie pour vous cet acquis ? Cet acquis, c'est déjà, moi je rends honneur à des hommes d'État qui en 92 ont déjà pensé pour le futur de l'Algérie,
pour donner la possibilité de l'existence d'un orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'ouverture sur le monde, c'est de s'accaparer, de se réaccaparer l'universalité de notre culture, de la culture algérienne. Et l'orchestre symphonique, depuis maintenant 25 ans, notamment avec cet orchestre, l'orchestre symphonique Al-Asima, avec mes amis musiciens, on essaie de perpétrer cette tradition. C'est la sauvegarde du patrimoine algérien sous sa forme symphonique, donc sous sa forme moderne, tout en respectant, bien entendu, l'essence même de notre histoire à travers des sons musicaux. Alors, ce soir, c'est une soirée spéciale. J'imagine que vous nous avez préparé quelque chose de particulier. Alors, dites-nous, elle sera comment cette soirée? Qu'est-ce que vous nous avez choisi comme répertoire? Mais écoutez, répertoire de musique algérienne, donc c'est de mariage entre les sonorités, entre l'image et la musique, puisque nous allons interpréter deux extraits de musique de film, pour dire aussi l'importance de la musique dans la tradition, la grande tradition du film algérien, mais aussi de s'accaparer aussi l'universalité, comme je disais, de notre musique, c'est-à-dire la musique algérienne sous sa forme symphonique, mais aussi la musique occidentale sous la forme algérienne, avec des sonorités d'instruments traditionnels au sein de l'orchestre symphonique. Alors on va démarrer avec un hommage, tout d'abord, bien sûr, au combat du peuple algérien, en second lieu, bien sûr, à un écrivain algérien, Mohamed Dib, qui a donné naissance à un magnifique livre qui s'appelle L'Incendie. En fait, c'est une trilogie, donc L'Incendie, La Grande Maison, Le Mythe à Tisser, et puis un grand réalisateur algérien. Et c'est un clin d'œil, bien sûr, aux travailleurs de la télévision algérienne, à M. Mustapha Bedir, mais également à un homme de culture. Il s'agit de Lemim Bichichi, un homme de radio, un militant pour la cause algérienne. Al-Hariq, le feuilleton. C'est ce que vous avez choisi pour démarrer. Exactement. Déjà pour rendre hommage à ces très très grandes, trois grandes figures donc de l'art et de la culture, de la littérature, de la musique algérienne, mais aussi pour rendre aussi hommage au film algérien à travers la musique. Et donc Al-Hariq, bien entendu, comme vous savez, c'est une très très belle musique qui va être interprétée par notre orchestre sous la forme symphonique. Alors je vous dis, faites-nous rêver, tout simplement, Monsieur Amin Kuider. Et puis je vous dis... comme vous le dites, dans le jargon de l'opéra, oui, de l'orchestre symphonique, de la musique classique, maestro, musique. Merci. Et c'était là Amin Kuider et ses musiciens ici au Jardin d'Essai à partir de cette grande soirée sur Canal Génération Indépendance ou Génération Post-Indépendance. Et comme annoncé, nous allons rendre hommage à ces millions de gens qui ont donné leur vie pour l'indépendance. Nous allons également nous intéresser à ceux qui sont arrivés après l'indépendance. Qu'a-t-on fait de notre Algérie? Quelles sont les grandes réalisations de notre jeunesse à travers Imen Khmissi? Qu'ont fait les artistes avec Mounir Larraj, le sport également, son passé, son histoire et son devenir avec Hakim Keshroud, les réseaux sociaux, ce qu'on raconte sur l'histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu al-azim. Allahu akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته sur l'histoire, ce qu'on raconte sur notre mémoire, sur les réseaux sociaux avec Youssef Daily et la musique bien évidemment avec Amin Nebesh. Alors en ouverture, pour ouvrir le bal en fin de compte de cette grande soirée, nous retrouvons plusieurs invités. Avec nous d'abord Monsieur Soufi, comment allez-vous ? Moi ça me fait toujours quelque chose de vous voir et de vous revoir. On s'était vu il y a quelques années, vous revoir aujourd'hui, 4 ans après. On est comme une coupe du monde en fin de compte, vous et nous. Ça me fait énormément plaisir de vous croiser ici sur ce plateau, sur Canal. C'est un honneur pour nous parce qu'on va parler de 47 ans d'histoire à travers 47 ans de métier, 47 ans de passion, d'un archiviste, d'un historien et d'un chercheur au CRASC qui n'en a jamais eu marre de parler d'histoire, qui n'en a jamais eu marre de parler et de 1830 jusqu'à 1962, mais bien avant aussi. Bienvenue à vous. Bienvenue sur le plateau. Merci. Avec nous également, elle fait partie de cette jeune génération qui s'active, qui bouge, qui écrit, qui raconte l'histoire, le patrimoine, mais pas que. Elle s'appelle Leïla Assas. Elle est rédactrice en chef d'un web magazine qui s'appelle Bebsman. On en parle avec elle ce soir. D'ailleurs, Bebsman, c'est 5 ans d'âge déjà. Leïla Assas, bonjour. Tout à fait, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes diplômée en lettres. Oui. Vous avez grandi à Oran. Tout à fait. Et vous vivez où ? Tout simplement à Timimoun. Mm-hmm. Et vous êtes rédactrice en chef de Bebsman. Bienvenue Merci. Sur Canal. Merci. Et bienvenue Bonsoir. Dans cette grande soirée. Également avec nous pour parler histoire et cinéma. C'est peut-être l'occasion de nous arrêter sur un parcours. En fin de compte, c'est un chassé-croisé avec nos trois invités, le premier panel de cette émission. Il s'agit de Rim Larej. Vous êtes réalisatrice, productrice et auteur. Mm-hmm. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'histoire et de cinéma parce que vous avez tourné, réalisé des films qui parlaient d'histoire d'ailleurs. Alors quelques-uns d'entre eux, votre premier court-métrage c'était en 2006, même si aujourd'hui c'est peut-être pas l'occasion d'en parler, mais moi j'ai bien aimé votre premier court-métrage quand on en a parlé juste avant le début de cette émission, c'était Khaled le Crasseux.
Mais il y en a eu d'autres par la suite. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Il y a eu de l'autre côté du miroir, d'un côté. Il y a eu un long métrage en 2014 sur lequel on fera un coup de projecteur, si vous le permettez. Merci. Il s'agit de Dhul Wal Qandil. Et ce sera l'occasion de parler aussi de plusieurs de vos films. Vous avez réalisé des clips, vous avez réalisé plusieurs longs métrages à la mémoire de nos pères ou encore La Promesse. Et c'est un plaisir de vous recevoir vous aussi sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, bienvenue. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Bonne fête de l'indépendance, bonne fête de la jeunesse. Peut-on célébrer les deux en même temps, Fouad Soufi ? J'espère bien, oui. Oui ? Mais je commencerai quand même par vous dire merci pour votre invitation. C'est plutôt moi qui suis honoré. Hein. Mais effectivement, oui, il faut. De toute façon, c'est comme ça qu'elle a été appelée officiellement. Hein, la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ensuite de la jeunesse et le parti. Enfin bref, c'est... Curieusement, le 5 juillet, ça a été une journée qu'abord que j'ai vécue. Ouais, c'est une chance que j'ai par rapport à vous. Je l'ai vécue et ça a été effectivement des moments, un moment extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, donc effectivement, le jeune que j'étais, les jeunes que nous étions à l'époque, ça a été pour nous inoubliable. D'abord, vous me disiez tout à l'heure, histoire, Simon de la société. Est-ce toujours le cas, Fouad Soufi ? Je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai dit plutôt qu'il fallait se méfier d'essayer de faire de l'histoire le ciment de la société. Hein ? Parce que chaque génération se pose des questions en rapport avec son temps, sur le passé. Et ce n'est pas forcément les questions que je me posais, moi, il y a... une trentaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, plutôt une quarantaine d'années déjà, ne sont pas forcément celles de la société d'aujourd'hui. Hein? Et donc, par contre, ce qui fait la force de la connaissance historique, c'est l'accumulation. Hein? Le plus grand danger, c'est la rupture. C'est lorsque, effectivement, il arrive un moment où il y a une génération qui ne croit plus. Et ça... il n'y a que le débat qui fait qu'on peut dépasser ce type de contradiction. Mais on en est où en fin de compte aujourd'hui ? Là, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas propre à l'Algérie. Oui. C'est-à-dire que les problèmes de ressentiment par rapport au passé... n'est pas propre à nous. Dans beaucoup de pays, les jeunes se désintéressent de l'histoire. C'est clair. Bon, nous, chez nous, ça nous fait plus mal. Enfin, en tout cas pour mes collègues et moi qui menons des enquêtes et qui travaillons là-dessus, ça nous fait beaucoup plus mal parce que nous faisons partie de ces pays qui ont connu cette période de la guerre de libération. Hein, qui a marqué une rupture avec tout ce qui s'est passé auparavant. Et aujourd'hui, entendre des jeunes sceptiques, hein, c'est bien de douter, il faut toujours douter, mais le scepticisme, remettre en cause comme ça, reconnaître sans conviction ce 1,5 million de martyrs, et ça fait mal. Maintenant, on n'a pas de leçon de morale à leur donner. On a à leur donner un discours qui essaye de passer. Ouais. Pour peut-être pas les convaincre, mais au moins les pousser à s'interroger sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Mais en fin de compte, si on devait parler de cet aspect, heureusement, ça ne touche pas tous. Et on le voit d'ailleurs à chaque grande occasion. Ce sera l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Youssef Dehili. L'engouement, la mobilisation sur les réseaux sociaux à chaque grande date. Donc c'est peut-être rassurant d'un côté, mais de l'autre, on a failli où ? L'enseignement, l'éducation, le foyer, la rue, l'école ? C'est un peu tout de ça. Il n'y a pas une réponse à cet événement. D'abord, bien sûr, c'est l'enseignement. C'est clair. Et ensuite, mais ce que j'appelle le traumatisme colonial, c'est-à-dire qu'on s'est laissé piéger dans la construction de notre histoire par ceux qui s'est écrit durant la période coloniale. Et du coup, on nous a présenté, et on continue, c'est ça le drame, à nous présenter l'histoire de l'Algérie comme une succession
de colonisateurs, de colonisation. Et donc, c'est une histoire d'échecs successifs, hein, puisque c'est toujours les étrangers qui viennent. Alors, et nous, là-dedans, on est où? On se situe où? Comment? Et évidemment, les jeunes n'acceptent pas, ils ne peuvent pas accepter ce type de discours. Mais c'est celui qui est le plus prégnant actuellement dans la société. Les historiens travaillent. Je crois qu'il faut leur rendre cette vérité, leur rendre cet hommage. Les historiens travaillent. Mais le discours des historiens, trop académique, est difficile à vulgariser, entre guillemets, à présenter de façon plus souple. Alors, doit-on romancer l'histoire pour la rendre plus intéressante pour les générations futures? Alors, ça, c'est effectivement, à défaut de... C'est le modèle occidental, hein? C'est le modèle occidental. C'est le modèle universel. Vous trouvez l'histoire vue par les réalisateurs de cinéma japonais recoupe celui des Américains. Donc, il y a effectivement le roman, le film, hein, même s'ils prennent, il faut qu'ils prennent des libertés avec l'histoire, entre guillemets, vraie. Mais enfin, ça aide. C'est ce qui aide. Et si je peux me permettre... chez nos romanciers, chez nos cinéastes, et heureusement qu'on en a à côté, on a l'impression qu'il faut écrire l'histoire vraie. Non, ce n'est pas votre rôle. Vous devez nous rendre l'histoire familière. Nous passons à Madame Laroche. Bienvenue à vous, encore une fois. Vous l'avez écoutée. Je suis honorée. Ça parlait un peu de vous, d'une certaine manière. Ça parlait totalement, en fait, aussi de ma démarche en tant que réalisatrice. C'est-à-dire, quand on attaque un sujet historique, on y va avec des pincettes, effectivement. Oui. Parce qu'à prime abord, on a un petit peu peur de faire des faux pas ou de ne pas retranscrire l'histoire telle qu'elle était. Et puis au fur et à mesure du temps aussi, on a des vilités un peu d'historien, d'aller chercher nous-mêmes sur le terrain des informations. Moi, je ne me suis pas privée de ce plaisir-là, en fait, d'aller rencontrer les gens qui ont fait cette histoire-là quand j'ai fait le film sur l'UGMA, donc Dalwal Qindil. J'ai rencontré la famille de Talba Abdelrahman, j'ai rencontré Zulikha Bakdour, j'ai rencontré aussi certaines personnes qui étaient à proximité d'Amal al-Rachid, etc., et qui m'ont permis d'avoir des anecdotes. Et en fait, ces anecdotes-là ont nourri le film d'une façon vivante. C'est-à-dire que l'histoire est quelque chose qu'on perçoit en tant que jeune comme quelque chose parfois d'intouchable et qu'il ne faut pas... il faut y aller avec des pincettes, être prudent, etc. Et là, ça a permis en fait de tout simplement humaniser des figures emblématiques de notre révolution, de les rendre plus humains, plus accessibles, de les voir avec leurs failles. Et c'est ce qui m'intéressait, moi, dans le film, en fait, c'était de voir Talba Abdelrahman douter à un moment donné, de voir Evelyne Lavalette à un autre moment pleurer, de voir Jacqueline Gueugeauge avoir très peur. Donc c'était ces moments-là qui donnent toute leur humanité, en fait, au film, et j'ai envie de dire au film historique en général. Et surtout... de mon point de vue, hein, moi, au départ, j'ai eu très peur quand j'ai eu à faire ce film-là. Et puis à la fin, j'ai pris un plaisir tellement immense à me réapproprier en fait des figures de la Révolution qui appartiennent à chacun, à chaque Algérien. C'est ça. Et non, continue. Voilà. Qui appartiennent à chaque Algérien et à chaque citoyen, du plus petit au plus âgé. Et je me suis dit, en fait, finalement, qu'on n'a en réalité pas besoin de discours. On a juste besoin de réelles connaissances et d'aller à la recherche de cette connaissance-là. C'est-à-dire que Amal al-Rachid ou Didouche Mourad ou Odin ne doit pas être juste le nom d'un endroit ou juste le nom d'une place. Au contraire, ce sont des figures essentielles au développement de notre identité algérienne, en fait. C'est cela. Voilà. Alors, vous dites d'ailleurs, hein, mon dada, c'est l'histoire, mais mon job avant tout, c'est de réapproprier l'histoire aux jeunes. Vous dites, mon film est souvent diffusé à la télévision, mais je regrette qu'il ne soit pas projeté dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges.
La démarche a-t-elle été faite jusqu'à présent ? Alors en fait, déjà je rends hommage à la télé d'avoir diffusé le film à plusieurs reprises, à des dates clés. Parce que le petit écran, c'est quelque chose qui est chez les gens. Donc, ah oui, c'est un membre de la famille. Bien sûr. Donc du coup, je me dis que finalement, le film a eu son parcours. Et il a un parcours de famille. Voilà. Donc du coup, c'est très enrichissant aussi d'utiliser la télévision en ce sens d'offrir des produits de qualité qui parlent d'histoire d'une façon aussi fluide et simple, sans prétention non plus, parce que le film aussi a des défauts mais aussi des qualités. Mais du coup, comme le film n'a pas été diffusé n'a pas eu de vie, on va dire, en salle, mais c'est pas le seul, il y en a un vrai problème de diffusion au niveau des films produits en Algérie, mais ça c'est un autre débat. Ouais. Mais je me suis dit qu'en parlant avec Leïla, avec d'autres amis qui sont aussi dans les réseaux associatifs, qui sont aussi instituteurs, qui sont aussi directeurs d'école, on s'est dit qu'il y avait aussi un chemin alternatif de transmission en fait de l'information et de transmission de l'histoire. C'est-à-dire qu'un film comme Dil Wal Qandil ou comme d'autres qui ont été faits autour de l'histoire algérienne, s'ils sont diffusés dans des cadres d'école, d'université, sachant que le film a été tourné à l'université d'Alger, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de projection à l'université d'Alger? Pour moi, c'est un manque. Oui. Le fait que le film ne soit pas projeté dans des écoles ou des lycées, alors que ça parle de lycéens et d'étudiants, ça c'est aussi un manque. Mais l'idée, c'est de proposer des choses en fait. Donc c'est aussi pour ça que cette émission a un réel sens. Vous êtes historien, vous êtes chercheur au CRASC. En parlant des archives, il y a 4 ans, quand on s'était vu pour une date historique. C'était le 31 octobre 2014. C'était à la veille du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Et on avait évoqué à ce moment-là les fameuses questions qui étaient liées forcément aux archives. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le grand débat entre l'Algérie et la France, c'était les archives. Y a-t-il eu des avancées depuis ? A-t-on eu, en fin de compte, ce qui nous revenait de droit ? Et les Français ont-ils libéré plus d'informations que nous méritions d'avoir déjà à l'époque ? Il y a une différence fondamentale entre notre position et la leur. La différence, c'est que eux accordent aux sources et aux archives une importance que nous, sur laquelle nous sommes plutôt frileux. Ça fait partie de leur gène et du sang qui coule dans leurs veines. La fierté d'avoir des archives qui remontent au Xe siècle. Hein? Bon. Nous, on a par rapport aux archives une attitude, je disais, frileuse, parce qu'on a peur de ce qu'on risque de trouver. Comme si les événements qui sont déroulés il y a 60 ans, ou il y a 100 ans, ou plus, viennent de passer. Date de la veille. Oui. Date de la veille. Bien. Donc, dans la plupart des Européens, les archives, c'est fondamental. C'est fondamental. On ne les donne pas. Les Français ont inventé une astuce qui consiste à dire qu'il faut une loi. Bah, qu'est-ce qui va voter la loi ? C'est eux, pas nous. Il faut, il y aura pas de loi. Oui. Maintenant. Mais ils les partagent ou ils les gardent ? Ah, tout est là. C'est ça. Eux, ils les gardent. En parlant d'archives, ça nous amène aux écrits, forcément. Alors, vous n'êtes pas des historiens, vous n'avez pas de revue d'histoire, mais vous avez lancé un site web au départ, si je ne me trompe pas, vous me corrigez. Oui. Bebsman, en 2013, 5 ans déjà. Tout à fait. Ça mérite une grande célébration, là aussi. Absolument. Où vous avez réuni des passionnés, pas forcément avec beaucoup de moyens, mais vous avez réussi à installer votre site, à en faire un outil de communication, à créer une communauté tout autour. Absolument. Et ce site s'appelle bebsman.com. On en parle avec vous, Leïla Assas. Alors vous, encore une fois, vous êtes rédactrice en chef au sein de Bebsman. Vous vivez à Timimoun. Pourtant, vous travaillez pour un site. Et comme quoi, en fin de compte, il n'existe plus de frontières dans le monde du digital. Oui, encore heureux. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, vers Bebsman ? Et si vous deviez définir Bebsman, on pourrait dire quoi, en fin de compte, sur ce site internet ? Alors, je suis avec Bebsman dès le début de l'aventure.
Mira Gassem, justement, celle qui a initié le projet, la directrice de publication, est une amie et elle m'a abordée en ce sens. Et étant en fait à Timimoun, j'ai commencé par écrire sur la région. Donc on essaye de se détacher des gros titres justement, et c'est là où je rejoins Monsieur Soufi et Rim qui parlent d'humaniser l'histoire de l'Algérie. Donc on se positionne dans ce sens. Parler de détails, aborder l'histoire par un angle bien défini, relater des histoires un peu rutilantes, un peu croustillantes aussi, c'est l'astuce qu'on a trouvée, nous les jeunes, pour aborder notre histoire et surtout intéresser les jeunes. Lorsqu'on parle de passionnés, moi je me positionne dans cette catégorie parce que je ne suis pas historienne de formation, contrairement à Mira qui a fait des études d'histoire de l'art, et nous avons aussi d'autres collaborateurs qui sont spécialisés. Et la question s'est posée, parce que l'histoire elle rejoint souvent la question essentielle qui est philosophique, qui suis-je ? Donc c'est à travers ces histoires-là, à travers la petite histoire et la grande, qu'on a tenté en fait de retracer, d'apporter un cheminement à notre réflexion et d'essayer de diversifier les thématiques donc autour de l'histoire de l'Algérie, du Maghreb, et on déborde aussi sur beaucoup de pays africains, notamment les voisins du Sahel. Alors, Bubsman, c'est quatre employés, mais c'est des dizaines et des dizaines de collaborateurs. Bubsman, si on comprend bien, et encore une fois, vous pourrez toujours corriger, c'est un site qui parle beaucoup d'histoire, de patrimoine. Tout à fait. Et Bubsman, en fin de compte, quels sont les thèmes ont-ils changé entre 2013 et 2018 ? Sommes-nous dans une vision nouvelle de la lecture de l'histoire, de l'analyse de l'histoire ? Mm-hmm. A-t-on donné la parole à ceux qui ne l'ont peut-être jamais partagé aussi, cette fameuse histoire ? Tout à fait. En fait, on a commencé par le créneau web. Ouais. C'est un créneau qui est porteur. La diffusion, elle est très large. L'interaction est très, très intéressante dans ce domaine-là. Et dès le départ de l'aventure, on a mis en place plusieurs rubriques, notamment sur l'histoire de l'art, sur des grands titres, les grandes dates de la Révolution notamment, la préhistoire. Après aussi, nous avons la beauté d'antan. On adore en fait faire plaisir aux femmes pour parler de la para, des bijoux, de la para de la femme algérienne et de l'homme algérien. On a aussi abordé des thèmes par rapport aux rites. Donc c'est parfois des thèmes assez délicats, des thèmes assez peu exploités. Mais aussi on a consacré un volet à la Révolution, notamment un numéro papier, un hors-série qui est dédié, voilà, vous l'avez entre les mains, qui est dédié en fait à la Révolution. Alors, ce numéro de Bubsman, Histoire, culture et patrimoine, hors série, la préparation de la révolution algérienne, avec des personnages que l'on connaît tous, qui nous ont été enseignés, qui continuent d'être enseignés. Alors, Bubsman d'un côté, de l'autre, le cinéma, quelle est la réaction quand on voit votre film ? J'imagine que vous allez souvent à la rencontre de ceux qui regardent vos films, de ceux qui ont des choses peut-être à dire après. Que disent ces gens-là ? Alors, après les projections dans les festivals, donc c'est un public de festivaliers, c'est différent. Pour reprendre le dernier en date, c'était au Festival d'Oran. Il y a eu des youyou, des applaudissements pendant plus d'une dizaine de minutes. Une vraie émotion. Parce qu'on parlait aussi de Qassem Zidour qui a été tué à Alger, mais qui a grandi à Oran. Donc c'est aussi se rappeler en fait de certaines figures. C'est comme si on rendait aussi hommage à travers le film à différentes figures de la Révolution algérienne. Et puis après les réactions par contre sur le web. Sont très différentes parce que le film a été très rapidement mis en ligne. Et donc là, les réactions sont différentes. Alors, il y en a qui vont parler plus du côté technique, il y en a qui vont plutôt reprendre les faits historiques en disant « Ah, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça, on n'a pas le droit de toucher à l'histoire, on n'a pas le droit de modifier des choses. » D'autres qui vont être complètement éblouis par l'histoire. Il y a une histoire d'amour dans le film qui n'aboutit pas finalement. Hein, mais du coup, c'est que ça qui va les intéresser. Donc c'est assez mitigé, les regards sont assez mitigés, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que du coup on se rend compte qu'on touche différents publics, donc la réaction des jeunes est différente de celle qui sont
des personnes qui sont plus âgées, de ceux qui ont vécu l'histoire et ceux qui la regardent, de ceux qui l'analysent aussi. Donc le regard, ça dépend du positionnement, en fait. A-t-on tout dit ? Faut être soufi. Ah, heureusement que non. Sinon, on serait au chômage. Non. Par contre, je réagis par rapport à ce que je viens d'entendre. Vas-y. Ouais, je peux. À l'heure actuelle, bon, il y a une tendance dans les recherches historiographiques qui rappelle que l'histoire n'a rien à voir avec l'identité. L'histoire n'est pas là pour me dire, voilà, je suis de telle race ou de telle... C'est pas ça. L'histoire, c'est une éducation à la citoyenneté. L'histoire doit m'apprendre que je suis citoyen de ce pays, et voilà d'où vient ce pays. Quant à ma personnalité, ben, j'ai qu'à écrire mes mémoires. La dernière question pour finir. À vous trois, je vous demanderai juste un mot. Comment intéresser le jeune à l'histoire selon vous, Leïla Assas? Alors, pour notre part, à Babsman, on a réfléchi justement en ce sens. Et c'est la deuxième saison qu'on a reconduit des vidéos qui sont dédiées à la jeunesse. Format court, ce sont des petites capsules de 2-3 minutes en derja pour avoir touché un maximum de monde. Et on a en fait abordé plusieurs sujets. On a dédié en fait une capsule à Zabana, d'autres à des acteurs plus anciens de l'histoire de l'Algérie, que ce soit autour d'un plat, autour d'un fait. On a aussi parlé par exemple de Tinhinen. Et donc en fait, c'est humaniser les figures historiques et surtout essayer en fait d'aborder ça d'une manière très ludique, à travers l'image, la vidéo. Donc, et aussi, je salue le travail de recherche. Étant d'Oran, moi j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps au CRASC. Donc c'est une base très importante, mais aussi essayer de travail de vulgarisation est très important. Donc toutes jeunes, pour la plupart, un livre d'histoire, c'est barbant, c'est peut-être assez lourd, ou c'est truffé de terminologies qui peuvent parfois nous endormir. Reprendre cela en vulgarisant, en disant que ça peut être « Jones », si je peux me permettre le thème. C'est la soirée de la jeunesse. Absolument. Donc, la jeunesse, elle peut s'intéresser à l'histoire, elle peut l'apprendre différemment, elle peut s'en inspirer. Alors, je vous laisserai réfléchir à la réponse. Ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de suivre un document que beaucoup devraient voir. C'est l'allocution de Ahmed Ben Bella, feu Ahmed Ben Bella. C'était à l'ONU et un voyage dans l'histoire datant de plus de 50 ans à suivre sans plus tarder dans cette soirée Génération Indépendance. Le voici, cet extrait. Monsieur le Président, messieurs les délégués, il est dans la vie des peuples des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Le peuple algérien qui a connu, vécu et souffert bien des guerres veut de toutes ses forces contribuer à bâtir solidement les assises de la paix. En l'accueillant parmi vous, vous lui avez ainsi prouvé votre confiance. Vous lui avez du même coup reconnu des droits et des devoirs. Il sera jaloux des uns et prodigue des autres. C'est une main fraternelle qu'il vous tend aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous devons rechercher à travers la vieille sagesse de nos peuples les moyens d'assurer aux générations à venir le seul héritage qui vaille pour l'humanité en péril, la paix des hommes de bonne volonté. Ahmed Ben Bella, son allocution à l'ONU juste après l'indépendance, mais cette fois-ci on va passer à d'autres images, la levée du drapeau. Là aussi c'est l'un des moments les plus importants de la période d'après-guerre. La levée du drapeau, forcément, c'était le jour du discours d'Ahmed Ben Bella et ça s'est passé bien évidemment à l'ONU. Là, on repart sans plus tarder retrouver Amen Besh qui est toujours accompagné du maître Damien Kouider pour nous parler de ce nouveau morceau qui sera interprété dans quelques instants par l'orchestre Damien Kouider.
Merci à vous. Merci Mahrez, merci à vos invités, Leïla Assès, Rim Larej, bien sûr Monsieur Fouad de Soufi, et on l'écoutait attentivement. Mahrez, moi j'ai envie de reprendre une phrase de Mahrez, il a dit « Nous avons un très beau pays et nous avons une belle histoire ». Et on écoutait évidemment ce débat attentivement encore une fois, et on a eu une pensée, vous et moi, Monsieur Amine Kouider, c'est celle qui nous fait penser à ces artistes, à ces musiciens qui ont accompagné le mouvement national, qui ont participé à cette grande histoire de la révolution algérienne jusqu'à la libération du pays. J'ai en tête tout de suite Ali Maachi qui a laissé un hymne à l'Algérie, Yenes Amahou Hubbil Akbar, qui est mon grand amour, c'est l'Algérie bien sûr. Je pense également à ces poètes, Moufdi Zakaria, à M. Stambouli, à ces chants patriotiques. Alors ma question tout de suite, M. Amine Kouider, parce qu'on va passer rapidement à la musique, je sais que les musiciens sont impatients et vous aussi, c'est votre dada. Mais ma question, aujourd'hui, au sein de l'orchestre national, il y a le chant patriotique, le chant, bien sûr, révolutionnaire. Quelle est la part que vous accordez justement à cette partie-là de la musique et qui est, bien évidemment, encore une fois, intéressante et importante pour la transmission à ces jeunes-là qui vont continuer le chemin? Oui, c'était pour moi très intéressant d'écouter ce qui a été dit parce que pour nous, artistes et musiciens, aussi notre histoire, c'est aussi, on la compte depuis 62 jusqu'à présent. Mmh. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait cette cellule de transmission du vivant des personnes, pas uniquement une fois qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'on accorde une importance aussi à la mémoire musicale, la mémoire du son, oui, et qui est aussi la beauté de la mélodie, soit véhiculée du vivant aussi de grands artistes qu'on peut rencontrer. Oui. Et justement, il y a beaucoup de discussions avec nos musiciens, nos jeunes musiciens que vous voyez ici, pour leur raconter donc des parcours, l'histoire de ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'avant, nous n'avons pas, on n'avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. Et ça, c'est grâce tout à un travail de l'État algérien, du ministère de la Culture, qui a offert beaucoup de structures, un enseignement, même s'il y a encore à améliorer. Donc, des choses importantes qui nous a permis et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des orchestres, pas uniquement un, mais plusieurs orchestres, oui, un opéra. Et bien entendu, on le fait à travers, donc bien entendu, des musiques de grands chanteurs, de grands artistes. Oui. Et notamment dans la musique patriotique que vous avez citée, nous, on lui donne aussi ce cachet universel, pas uniquement algérien, mais pour aussi faire connaître ce répertoire à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un concert, c'est à l'extérieur, par les moyens de transmission modernes, tout ce qui est Internet, ça devient un véhicule formidable pour nous, pour justement se réapproprier notre histoire à travers des sons. Alors, à présent, vous allez nous interpréter un morceau qui a eu beaucoup de succès à l'époque, mais qui continue à nous parler bizarrement et qui continue à nous faire vibrer, à toucher notre fibre musicale et artistique, et à toucher, bien sûr, nos sentiments, parce qu'il nous emmène très très loin. Il nous fait penser à beaucoup de choses, à la construction, à la réalisation, au succès, aux réussites, bien sûr, du peuple algérien. Peut-être qu'on va un petit peu jouer, on va un petit peu laisser patienter nos téléspectateurs à travers des indices. On va les faire jouer peut-être avec nous ce soir. Alors, si on a des indices à faire, ça serait quoi? Ça serait le lieu de naissance de notre artiste, celui qui a interprété, qui a chanté, qui a composé ce morceau. Alors, il est d'où? Blida. Et son premier art, c'était quoi? Ah, ça, vous allez me le dire. Ah ben, c'était la peinture, monsieur. Et après la peinture, il s'est intéressé à l'écriture. Il a composé, il a écrit une très très belle chanson pour Blaoui Laoui El Hmama. Hein. Bien sûr. Et il a chanté une très belle chanson qui s'intitule El Moumarreda. Il a interprété une autre chanson d'Abdelhamid Ababsa, Haizia. Je pense que vous l'avez trouvé. Il s'agit bien de... Sûr. Rabah Driassa. Le grand Rabah Driassa nous a légué vraiment un répertoire formidable. Je lui ai dit merci et hommage donc à ces grands, donc grandes figures de la musique algérienne. Alors, Mahrez tout à l'heure disait que vous allez nous faire vivre la musique. Pardon. Vous allez nous décrypter un petit peu la particularité de chaque morceau ce soir. Vous allez un petit peu nous enseigner l'art de la musique classique. Alors, le morceau Yahya Ouled Bledi, c'est ça.
Oui, moi j'ai envie de dire aussi, ce titre, on peut le changer aujourd'hui, dire que grâce à Oulad Bladi, Jazair Rahi Tahia. Parce que c'est aussi l'énergie des jeunes, c'est la fête de la jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans cet orchestre et dans d'autres orchestres, des jeunes qui sont en train d'accompagner ce développement culturel qui a lieu. Mais ce morceau, la particularité, c'est qu'il est sur deux temps. Oui. Donc aussi des modes qui sont universels, mais aussi les modes traditionnels algériens, les modes aussi avec les quarts de temps. Donc c'est aussi le pont entre les modes, le pont entre les rythmes très différents, bien entendu un pont entre l'instrumental et le vocal, et on a voulu donner donc une dimension universelle à Yahya Oulad Bladi avec notre orchestre. C'est magnifique parce que ça va être une très belle entrée en matière pour bien sûr notre collègue Iman Khmissi et ses invités. Ça parle de jeunesse, ça parle de challenge, des défis. Et ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire alors bon courage, bonne chance, faites-nous rêver, faites-nous vivre la musique. Titiller nos sentiments, titiller notre émotion. Voilà. Thank you.
Et comme disait Amir, effectivement, bravo maestro, Yahya Oled Bladi, revisité par Amin Kouider et ses brillants musiciens à l'occasion de cette soirée de célébration, de commémoration de la fête de l'indépendance, 56 ans après, et de la fête de la jeunesse par la même occasion. Alors la jeunesse, on en parle avec Imen Khmissi, sans plus tarder. Avec elle, nous allons découvrir trois parcours. Un chassé-croisé entre trois parcours de trois jeunes qui se sont lancés le défi d'entrer, d'accéder au monde de l'entrepreneuriat. Alors les trois jeunes avec Imen Khmissi, c'est Zakaria Hajjallel, c'est Rafiqa Mokhtari, c'est Iftini Zakaria. Les trois vont nous raconter leur aventure, les trois vont nous raconter leur défi, leur challenge, et les trois vont être interviewés par Imen Khmissi. Imen, bonsoir. Imen, bonne fête. Imen, c'est à vous. Bonsoir Mahrez. Merci Mahrez et merci à vous d'avoir fait le choix d'être avec nous et de fêter ensemble l'anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Alors jusqu'à présent, lors de cette émission, on a évoqué l'histoire en tant que concept, en tant qu'élément indissociable, incontournable et nécessaire à toute nation afin qu'elle puisse se projeter dans le futur et dans l'avenir. Et pour ce qui nous concerne, nous allons vous parler du présent, car l'avenir et le futur de l'Algérie, eh bien, il s'écrit aujourd'hui, et c'est maintenant que ça se passe, et c'est essentiellement les jeunes qui doivent y participer. Alors avant de vous les présenter, mes trois jeunes invités, permettez-moi de vous dire deux mots à mon sujet. Alors habituellement sur Canal Algérie, on vous parle de l'économie sous un angle qui n'est pas très attirant. D'abord on vous parle de la crise, on vous parle souvent des inextricables problématiques économiques de l'Algérie, on vous parle des soucis des opérateurs, mais ce soir je vais me faire un plaisir de voir le verre à moitié plein et de voir les choses de manière positive. Et la positive attitude, eh bien, on la trouve souvent chez les jeunes et chez les jeunes entrepreneurs. Ils ont des idées plein la tête, ils veulent les réussir, ils y croient, quand bien même ils évoluent souvent dans des environnements contraignants. Alors des exemples, il y en a des tas, et nous avons fait une sélection, peut-être difficile à faire, mais je l'espère sera suffisamment édifiante et exprimera l'énergie qui déborde souvent chez un certain nombre de jeunes Algériens. Alors, les invités sont là face à moi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Je vais commencer par vous, Zakir Halel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, Zakir Halel, vous avez 30 ans, mais lorsqu'on lit votre CV, on a franchement l'impression que vous en avez le double. Désolée pour l'âge. Alors vous êtes à la fois médecin, vous êtes entrepreneur, vous êtes également chercheur à l'Université de Washington et vous êtes également pianiste-compositeur. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous. À vos côtés, Madame Mokhtari Rafiqa, bonsoir. Bonsoir, merci ravie, pour l'invitation. Ravie de partager avec nous ce plateau et que nous soyons deux femmes et pas que des messieurs, parce que souvent quand on parle d'économie, il y a essentiellement des messieurs. Alors pour la parité, nous sommes égaux. Rafiqa Mokhtari, vous êtes architecte et vous faites partie d'un groupe, d'une SARL, d'une société d'architectes, de 7 femmes architectes qui portent actuellement un projet très, très ambitieux, celui de réaliser un village écotouristique et agro-touristique qui devrait être implanté à Béjaïa, vous allez nous en parler dans un moment. Et à vos côtés, monsieur Iftini Zakaria, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous faites partie des jeunes Algériens qui se sont formés à l'étranger, qui ont également eu une expérience professionnelle à l'étranger et qui ont fait le choix de revenir en Algérie et à créer leur propre micro-entreprise. Tout à fait. Vous allez nous raconter une partie de votre parcours. Alors, nous avons une demi-heure pour parler de vous trois. Je suis sûre que, in fine, on ne pourra pas faire le tour de la question, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Et je suis sûre qu'il y aura des points communs entre vous. Alors, à commencer par vous, Zakir Halel. Alors, vous avez un parcours qui est atypique, on a dû vous le dire assez souvent. Vous avez étudié la médecine en Algérie. Et vous êtes allé à l'étranger, vous allez nous dire où, approfondir vos études dans le domaine de la transplantation notamment. Et vous êtes par la suite devenu créateur de start-up. Alors première question, comment êtes-vous passé du statut de médecin spécialisé dans la transplantation au statut d'entrepreneur créateur de start-up puisque vous en avez créé deux? C'était
un modèle, une personne qui m'avait beaucoup inspiré. C'est un monsieur qui est algérien, qui s'appelle le professeur Eliezer Houni, qui avait été cité lors d'un de nos cours en médecine à la faculté de médecine d'Oran. Le professeur avait cité monsieur Zarhouni, et puis je suis parti sur internet pour voir qui il était. J'étais surpris de voir que c'était quelqu'un qui dirigeait quand même l'institut de recherche sur la santé américain, et qui avait été nommé par le président Bush à l'époque. Donc je m'étais permis tout simplement de lui envoyer un email. J'étais étudiant en troisième année de médecine, et puis il m'avait encouragé d'aller continuer de faire de la recherche et de faire de l'innovation. Donc c'est ce qu'effectivement j'avais fait au cours de mes études et puis ensuite à la fin de mes études. Et c'était par un parcours de circonstances, de bonnes rencontres, de belles rencontres, de mouvements perpétuels et continus qui m'avaient amené à me retrouver à la Silicon Valley, où j'avais rencontré les bonnes personnes pour développer les idées que j'avais en tête. Entre autres, c'était des idées de développer des moyens de conserver des organes, de préserver des organes pour, in fine, pouvoir les conserver pour la transplantation. Voilà. Donc c'était un petit peu un concours de circonstances, et puis des modèles, des personnes qui nous ont inspirés à aller de l'avant. Alors, vous avez également mis à profit, dans le domaine de votre recherche, dans le domaine des nanotechnologies notamment, mis à profit la technologie au service de la science à travers l'une des startups que vous avez créées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et à quel niveau ou degré d'évolution vous êtes arrivé, sachant que ce projet-là est financé notamment par la NASA et par Google, c'est bien ça? Absolument. Alors, c'est deux projets distincts. Hein. Le projet qui était financé par la NASA et par la Google, c'est l'Université de la Singularité, que j'avais dirigé par la suite, après avoir créé mon entreprise dans les biotechnologies précisément. L'Université de la Singularité, c'était une université à la base qui sensibilisait, qui a été fondée en 2009, et qui était parti avec l'idée qu'il fallait sensibiliser les dirigeants, les décideurs, les philosophes, toute personne qui était en charge quand même, qui avait des responsabilités, qui était des leaders et des dirigeants, à comprendre les technologies exponentielles, les technologies qu'on appelle nous de rupture. Justement, M. Soufi tout à l'heure parlait de rupture. Et l'idée, c'était justement de les sensibiliser, de les éduquer, de les techno-alphabétiser à ce que sont ces technologies-là, pour qu'ils aient moins peur de cette rupture-là et qu'ils puissent assurer une certaine continuité. Donc dans mon rôle, j'étais justement dirigeant de cette université auprès des pays francophones. J'avais fait plusieurs sauts à l'époque à Alger, notamment en 2015, pour rencontrer des personnes, éventuellement pouvoir implanter une université en Algérie. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait une certaine peur, une certaine répulsion, une certaine phobie au changement disruptif que pouvait permettre la technologie. Mais aujourd'hui, quand je vois le changement en 2018, quand je vois les startups qui naissent, ça donne énormément envie de s'impliquer encore mieux. Et moi, aujourd'hui, je m'implique comme une sorte de constructeur de pan, quelqu'un qui apporte les idées, qui apporte cette vision-là. J'avais été marqué, justement, récemment, à l'issue du sommet sur les Smart Cities à Alger. J'ai été marqué quand même par la déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, où il avait justement parlé du manque de modèle, du manque de vision stratégique. Et ça m'avait particulièrement marqué, parce que c'est dans ce rôle-là que moi, aujourd'hui, j'essaie de contribuer à mon pays. C'est justement d'apporter, de conseiller des présidents d'organismes algériens sur la transformation numérique, de participer à l'accompagnement de l'installation de certaines écoles étrangères qui veulent ici, qui sont des écoles atypiques, ou bien de m'impliquer dans ma ville natale, enfin la ville où j'ai grandi, Oran, sur leur projet de Smart City, etc. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là où aujourd'hui j'apporte un petit peu les modèles qui sont développés ailleurs pour les adapter à notre pays. La résistance, vous l'avez dit, elle est quasiment humaine, puisqu'on est en train de connaître une mutation dans le fonctionnement même de l'appareil économique. On passe du hard au software, donc on est plus les activités ou les secteurs créateurs de richesses actuellement sont plus portés vers le IT. Comment est-ce que vous évaluez l'évolution
du mindset, comme on dit en anglais, ou de la mentalité des Algériens par rapport à l'adoption des nouvelles technologies, sachant que les jeunes sont essentiellement aujourd'hui orientés vers cela et espèrent finalement travailler dans cela et étudier aussi. Alors la peur elle est innée chez la peur du changement elle est innée chez l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est algérien ou qui appartient à un pays, c'est vraiment inné à l'homme. En 2015, pour un petit peu se rafraîchir la mémoire, faut pas oublier en Europe qu'il y avait des manifestations où des gens brûlaient des pneus parce qu'ils n'étaient pas contents de l'effet coup beurre causé sur leur économie et sur les différents syndicats, des taxieurs, etc. Parce que justement, ça bouleversait la manière avec laquelle la société était structurée. Donc je pense que la peur déjà, elle est fondamentalement humaine. Concernant le point sur la technologie et la potentialisation, moi je pense que la technologie aujourd'hui potentialise les individus, potentialise les jeunes. Ils sont capables aujourd'hui, par exemple, quand j'ai vu, moi je suis un fan de Babsman, quand j'ai vu tout à l'heure, j'étais quand même assez ravi de voir une des co-créatrices du site, voir que c'est les grands esprits qui se rencontrent, qui quand même à Team Immune et qui peut contribuer à son site. On est dans une logique de dématérialisation et puis aussi de pouvoir contribuer à partir d'un endroit qui est complètement différent. Mmh. Il y a ça, il y a aussi le fait que aujourd'hui on part vers de nouveaux domaines qui quand même représentent le futur, qui est la fabrication digitale. C'est-à-dire qu'un être humain aujourd'hui, grâce à une imprimante 3D, peut fabriquer, convertir un objet virtuel à un objet réel. Et ça, à l'époque, ce n'était possible que dans des usines, que dans des laboratoires de recherche et de développement. Quand on voit des gens qui sont au fin fond du Sahara ou du désert aujourd'hui, grâce à leur smartphone, ont accès à assez de données que le président de la nation il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une richesse qui les potentialise en tant qu'individu. Ils ont un effet boule de neige sur la société. Donc je pense que ça représente un véritable atout et une opportunité pour notre pays qui est vraiment à saisir. Mmh. Et c'est là où le rôle aussi de la diaspora, de la jeunesse, qui doit participer justement à cette transformation-là. Alors, une dernière question avant de passer à vous, Rafiq Amourtari. Vous avez parlé de la Smart City, qui est un événement majeur qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous êtes intervenu en tant que speaker et vous avez parlé de la cybersouveraineté. Est-ce que c'est dans le choix de ce thème, est-ce que c'est une question qui devrait être prise au sérieux, en considération, ou peut-être pas suffisamment chez nous, sachant encore une fois que le digital est en train d'être de plus en plus maîtrisé par les jeunes, mais peut-être pas qui ne sont pas nécessairement et suffisamment formés autour de cela. Absolument. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans la vulgarisation des effets néfastes de la technologie, qui pour moi est extrêmement important. D'abord des effets néfastes sur la santé, des effets néfastes sur la société, sur l'économie, sur la politique aussi. Mais j'ai pas pu intervenir au sommet de la Smart City pour un simple aléa de calendrier. Mais la cybersouveraineté, pour moi, est une thématique extrêmement importante parce que ça passe d'abord par la souveraineté des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une masse importante d'Algériens qui utilisent certains réseaux sociaux, qui utilisent des échanges de mails, qui commencent à partager des données de dossiers médicaux, par exemple, etc. Des données sensibles, Des données sensibles qui font partie de la ville. Et donc, il y a un grand travail, un grand chantier à faire dans la rétention de ces données-là, d'un point de vue de souveraineté, tout à fait. Merci Zakia Halel. Rafiq Amourtari, vous partagez ce plateau, évidemment, parce que vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes étudiante, vous avez été étudiante à l'EPO, donc architecte, vous êtes actuellement architecte, et cela fait quelques années que vous avez initié un projet novateur, et vous avez créé une sarle qui s'appelle Fakar Medintek. Et votre sarle est partie d'une volonté de vous investir dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social.
À l'origine de cette réflexion, il y a eu un projet écotouristique et agrotouristique que Fakarum Dintek a mis en place. Alors, première question, qu'est-ce que pourrait avoir ce projet de particulier, sachant que actuellement vous êtes en train de le mettre en place? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Voilà, donc pour commencer, j'aimerais vous remercier premièrement pour l'invitation. Alors, Fakarum Dintek, c'est un groupe de 7 femmes architectes et ingénieurs en génie civil. Donc, nous sommes une agence de planification urbaine et de conception architecturale. On conçoit des projets écotouristiques à caractère communautaire, qui veut dire qu'on travaille avec les communautés locales des sites là où on implante nos projets afin de les réaliser. Donc, la particularité de nos projets, c'est qu'ils se présentent en tant que levier pour l'économie locale. Et ils ont comme objectif de promouvoir le patrimoine régional, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel. Donc, avant de parler du projet, donc notre idée vient d'un constat amer. Donc, si on regarde un peu les chiffres à l'échelle du bassin méditerranéen, et les principales destinations au niveau du Maghreb, on le sait bien, c'est le Maroc, l'Égypte et la Tunisie. Donc on se pose la question suivante, l'Algérie se positionne où par rapport à tout cet écosystème? Malheureusement, l'Algérie draine que 1% de fréquentation en Méditerranée. Donc l'objectif, son objectif serait d'aller d'un pays émetteur, un pays récepteur de touristes. Donc c'est là qu'est venue l'idée de concevoir des projets écotouristiques innovants, mais aussi originaux. Donc notre premier projet s'implante à Béjaïa, à un site qui s'appelle Tazbouch. Donc il est à l'entrée de la côte ouest de Béjaïa. Donc pour vous mettre c'est du côté de Boulimat, c'est bien oui, ça oui, c'est juste avant Boulimat. Donc le site, il est entre terre et mer. Il est desservi par la RN24. Il recèle un grand potentiel foncier, mais aussi faune, qui nous a poussé, nous groupe d'architectes, de proposer un village écotouristique basé sur deux thématiques, qui est l'agrotourisme et le tourisme montagnard. Donc pour la région de Tazbouch. On vient de voir, pardon, à l'instant, un plan qui est encore, évidemment, c'est encore à l'état de projet. Donc là, on est en train de voir à l'antenne un plan du village agrotouristique dont vous parlez, qui effectivement se trouve sur une colline, c'est bien ça. Hein. Donc il donne une vue évidemment sur la mer, puisque la région de Boulimat est montagneuse. Et vous disiez donc il y a au-delà de sa disposition géographique, il y a également un impact, un apport positif sur l'environnement dans lequel il sera implanté. C'est bien ça? Exact. Au début, j'ai dit qu'on s'inspirait ou on faisait la promotion du patrimoine matériel et immatériel. Donc, le patrimoine matériel, quand on est à Béjaïa, on parle de l'architecture kabyle. Donc déjà, pour l'implantation du village, on s'est inspiré de l'implantation des villages kabyles. Elle se fait d'une manière radioconcentrique, soit sur une colline ou une ligne de crête. Et en contrebas, on trouve les cultures. Donc la photo que vous venez de voir, c'est exactement la matérialisation de cette implantation. On fait donc le village, il est implanté sur 7 hectares de bâti et 34 hectares de culture, pardon. Et ses composantes principales s'inspirent aussi des composantes des villages kabyles. Donc on trouve un vocabulaire architectural comme l'hara, comme Akham, qui est maison. On retrouve Tajmaf, qui est à l'entrée du village. On trouve Aznir, Abrid, pour dire ruelle et impasse. Et on trouve le marché du village, qui est à l'entrée. Donc un touriste, quand il vient de l'étranger, il est vraiment mis dans un paysage d'un village kabyle.
Il est reçu par la communauté. Comme j'ai dit, on fait des projets écotouristiques à caractère communautaire. Oui, alors vous faites impliquer également la population de villageois ou habitants de la région qui vont donc participer finalement à ce village écotouristique. C'est bien ça. On ne parle pas de gîte, hein, parce que le gîte et les maisons d'hôtes, c'est quelque chose qui commence à voir le jour de par certaines régions du pays. Vous êtes bureau d'études, votre projet consistera donc à créer, vous l'avez dit, des structures touristiques inspirées de l'architecture du patrimoine local. Quel sera le rôle des habitants de la région qui va jouxter ou avoisiner le village écotouristique ? Exact. D'ailleurs, le travail a commencé avec les propriétaires de ces terrains. Nous avons organisé, au mois de mai passé, une première assemblée avec les propriétaires afin de présenter le projet. Il n'y avait pas beaucoup de propriétaires parce que c'était une première. Mmh. Mais ceux qui étaient présents, c'est comme si c'était un rêve pour eux, qui devenait en réalité, même si sur papier, même si pour l'instant c'est un avant-projet. Mmh. Alors le rôle des propriétaires, c'est quoi ? Au fait, le village est organisé en SPA, une société par action. Il y a différentes parties prenantes. Alors nous, Karam Din Tech, nous sommes la SARL, les porteurs de projets. Après, il y a les propriétaires qui seront actionnaires avec des apports en nature. Et les troisièmes sont les investisseurs ou banques avec un apport en numéraire. Ce qui apporte donc le financement. Exact, mmh. Voilà. Donc les propriétaires, de un, ils sont actionnaires. De deux, c'est eux les gestionnaires du village. Donc mmh. ils seront ambassadeurs de leur culture, de leur région, de leur histoire. Donc Plus concrètement, vous prévoyez d'intégrer dans ce service touristique des produits du terroir. C'est-à-dire que les personnes qui vont habiter autour de ce village vont travailler à prodiguer l'alimentation. Donc, des repas qui vont être préparés par les gens de la région. C'est bien ça. Et pour donner un cachet, j'imagine, aux produits. Exact. Le village est pensé j'ai perdu le mot. Oui. Ça veut dire... Autour du patrimoine, finalement, hein, puisque l'on parle de... Il s'auto-alimente, voilà. Oui. Donc, il y a les cultures. Oui. Par exemple, il y a les figues, il y a des fermes pour la production de lait, d'œufs, etc. Au petit-déj, vous n'allez pas trouver un café crème, mais vous allez trouver les figues, ce qu'on appelle tazers en kabyle, oui, servi avec de l'huile d'olive. D'ailleurs, tazbouche, le nom veut dire olivier sauvage. Mm-hmm. Donc, les habitants vont cultiver. Donc, il y aura des cultures. Donc, ça, c'est par rapport à l'agrotourisme. Mais le site, il a aussi un arrière-pays assez beau, donc c'est des montagnes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu intégrer le tourisme montagnard à travers des activités. Par exemple, on a des balades à pied, à dos d'âne, à cheval. De la randonnée qui est en train de plus en plus prisée par les jeunes Algériens. On peut voir ça à travers les réseaux notamment. Pour découvrir... non seulement des paysages époustouflants, mais aussi cette balade, ce qui est bien, c'est qu'elle se termine au centre historique. C'est un village très ancien qui a une très belle histoire. Donc ce parcours entre modernité et histoire. Mmh. Voilà. Merci Rafiqa Mortale. On espère beaucoup de succès et aussi beaucoup d'efforts, puisque actuellement vous êtes dans une phase assez délicate et finalement très importante, celle de convaincre et d'impliquer les populations locales à vous accompagner dans ce projet. Et j'imagine que les gens de l'APEW, en tout cas des collectivités locales, sont partie prenante et ils ont également un rôle à jouer. On espère qu'ils sont réactifs avec vous.
Oui, exact. C'est, d'ailleurs, c'est un plaisir que nous prenons, moi et mon équipe, à travailler avec ces gens, avec les propriétaires. Au fait, en Algérie, on a tendance à investir en tout, à part à l'humain. Donc, ce qu'on fait, c'est de les mettre au centre d'intérêt et on investit en eux. Voilà, pour créer un rêve, pour créer un village écotouristique. Donc, il sera ambassadeur de la Kabylie. J'espère d'ici, on va dire, 2 ans, il y aura une destination qui va s'appeler Tazbouch Tabejaïa. C'est tout ce qu'on vous espère. Merci à vous, Rafika Mortali, d'avoir été là et de nous avoir parlé de vos projets, votre projet. On continue à parler de l'entrepreneuriat et des jeunes. L'entrepreneuriat a une histoire, et une histoire relativement récente en Algérie, puisque beaucoup d'efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour faire en sorte que les jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et créer leur propre entreprise. D'une part, ça a été une solution pour pallier la problématique du chômage. D'autre part, ça a été une solution aussi pour créer des tissus industriels, des tissus dans l'artisanat également, pour répondre donc à une demande et in fine produire algérien et créer de la richesse. Alors avant de faire intervenir notre troisième invité, je vous propose de regarder un portrait qui illustre cette population de jeunes qui a eu le courage d'entreprendre un projet. Et c'est l'histoire d'un ingénieur qui a créé sa micro-entreprise et qui n'a pas fait le choix de la facilité, puisqu'il a réussi à, après beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, à s'imposer sur le marché de la sécurité électronique. Il a même réussi à décrocher des marchés publics qui sont souvent difficiles à pénétrer pour une micro-entreprise. C'est le portrait de Samia Barour et on revient tout de suite après. Mais d'une volonté de faire et d'un désir ardent de réussir, Ertman Hamiden, ce jeune ingénieur de 35 ans, a pu bâtir depuis 5 ans sa micro-entreprise à Blida, spécialisée dans la sécurité électronique et l'automatisme industriel, grâce au dispositif Ensège. Une micro-entreprise qui a pu s'imposer dans ce secteur grâce à son professionnalisme. L'énergie, t'as les Algériens, elle est là, elle existe. Au début, on a plus le secteur, quand on a une mentalité, on sous-traite avec des étrangers. D'accord. Hna au début qu'on a sous-traité avec les étrangers les idées le projet هذاك هنا في الجزائر في بلادنا. مع التالي واش نصيبوا حنا حنايا نصيبوا بلي هذاك l'étranger يجي sous-traité معنا حنا. Ça veut dire hna au début qu'on a ndéo les projets en deuxième. D'accord. On a essayé de s'imposer, en fin de compte, on s'est imposé. Ne reculant devant rien, ce jeune a juste cru en son idée en regardant l'avenir autrement. On a commencé à avoir la confiance à quelques particuliers, après on a entamé le secteur étatique. On a travaillé avec beaucoup d'entreprises étatiques, même des ministères, même des DG, des walis, des chefs de daïra, des établissements publics de la santé, des écoles. On a touché pratiquement toutes les structures étatiques. Répondre aux exigences de l'heure avec efficacité, c'est le but de ce manager qui a permis la création de plus de 20 postes d'emploi en donnant la chance à tous ces jeunes de s'affirmer. J'ai eu la chance d'être le plus ancien des employés chez Maintenance Center. Donc j'ai commencé en 2014, donc j'étais comme un délégué et par la suite j'ai passé par le poste de gestionnaire du stock et au bout d'une année j'ai décroché le poste de responsable commercial. Nous avons appris beaucoup de choses ici, et alhamdoulilah, nous pouvons continuer avec eux. Ce porteur de projet a pu relever le défi en créant son propre business. Il est considéré aujourd'hui comme étant l'un des acteurs les plus importants dans le domaine de l'automatisme industriel. Le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est l'idée. Si vous avez une bonne idée, vous avez fait une étude pratiquement parfaite, vous n'avez pas besoin de l'argent. Parce qu'on a vu des gens leader des crédits de 1 milliard, 2 milliards. Voilà. Et à la fin, ils ont déclaré faillite. Pour renforcer les liens avec ses employés, M. Hamiden adopte un esprit de fraternité et partage en créant un environnement favorable. On est bien gâtés avec notre gérant. On profite bien sûr des sorties, des bonus, des... voilà. On organise des sorties, on travaille chez Riar, on le part ensemble, on fait des plongées sous-marines. Cette micro-entreprise ambitieuse s'est affirmée grâce à la détermination et à la volonté de son manager et employé. Un exemple à suivre.
Voici donc pour cet exemple à suivre. Et c'est une success story sur tous les niveaux, puisque même au niveau de la RH, donc de la ressource humaine, ça se passe idéalement pour cette entreprise. Ce n'est pas toujours le cas, on est d'accord. Hein. Parfois, c'est quand même ardu de gérer l'élément humain. On en parlait tout à l'heure, Zakaria Iftini, avant de commencer l'émission. Oui, tout à fait. L'élément humain est une part très importante dans la gestion d'une société, particulièrement en Algérie, où on doit accorder une part très importante à la partie sociale de notre activité, de ne pas être seulement un opérateur économique, mais également social, pour rendre une partie peut-être plus importante que dans d'autres pays aux salariés, en apportant peut-être pas forcément juste un salaire, mais également d'autres à côté, des prestations annexes. Alors, c'est à vous que je pose la question, parce que je rappelle que vous avez été salarié, vous avez travaillé dans le domaine des énergies renouvelables à l'étranger. Vous êtes venu en Algérie pour investir dans le même créneau, celui des énergies renouvelables. Et c'est grâce à l'ANSEJ que vous avez créé votre micro-entreprise, de la même manière que nous l'avons vu avec l'exemple dans ce reportage. Alors pourquoi avoir choisi déjà de rester dans ce créneau-là et de passer de statut travailleur salarié à celui de chef d'entreprise? Alors, l'envie d'entreprendre est très ancienne. Depuis toujours, j'ai toujours eu envie d'entreprendre et d'être mon propre patron, entre guillemets. Donc, après quelques années de travail à l'étranger, j'ai eu l'envie d'entreprendre. Et ensuite, j'ai entendu parler du système de financement d'aide aidée, enfin, pour les jeunes entrepreneurs pour se lancer. Donc, j'ai fait le choix de rentrer en Algérie pour me lancer dans l'activité de photovoltaïque. Pour essayer de participer au changement de consommation et de production électrique en Algérie, sachant aujourd'hui qu'on est très dépendant de la production de gaz, qui représente quasiment 90%, enfin même peut-être plus de 90% de notre ressource énergétique, et essayer de valoriser les énergies renouvelables, enfin tout du moins à mon échelle. Et est-ce qu'il vous est aujourd'hui facile de traduire votre ambition, celle de créer une entreprise et d'activer, avec justement gérer la température ou la manière dont les Algériens travaillent, dont les Algériens évoluent? Est-ce que vous arrivez à être en adéquation avec la ressource humaine en Algérie dans votre secteur? Il a fallu un temps d'adaptation. Pour être honnête, il nous a fallu un temps d'adaptation pour pouvoir pour m'habituer aux méthodes de travail que nous avons. On peut pas changer de pays et garder les mêmes habitudes de travail. On est obligé de s'adapter au pays dans lequel on s'installe. Donc par rapport aux travailleurs, ça a été un travail que j'ai dû faire. Heureusement, j'ai pu avoir un accompagnement, être aidé par des proches qui ont su m'orienter dans ce domaine-là. Et vous avez également eu, bien entendu, l'apport ou l'aide de l'organisme d'accompagnement à la création de micro-entreprises qui est l'ANSEJ, évidemment. Tout à fait. Ça a été vraiment un partenaire très, très important pour créer l'activité, à m'accompagner surtout par rapport à tout ce qui est démarche administrative. N'ayant pas vécu en Algérie depuis plus d'une dizaine d'années, je ne connaissais pas toutes les formalités administratives à accomplir par rapport à la création d'une entreprise. Donc ça a été un apport très important. Alors, je vais poser une dernière question et essayer de vous faire réagir chacun à votre tour par rapport justement à l'élément humain. Alors, souvent, on jette la pierre sur les jeunes en disant qu'ils ne sont pas suffisamment formés, qu'ils ne vont pas toujours au bon endroit, qu'ils choisissent une filière d'activité, une filière de formation qui n'est pas compatible avec l'environnement dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas quoi faire. Réellement, lorsqu'ils vont se former, ils ne sont pas convaincus. Souvent, ils ne sont pas convaincus que c'est la formation qu'il leur faut pour le débouché qu'ils veulent. Est-ce que aujourd'hui, on devrait vraiment leur jeter la pierre lorsqu'on sait que souvent les chefs d'entreprise rencontrent des difficultés à gérer l'élément humain, Rafiqa Mokhtari? Alors, je dirais non. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Tout simplement. Au fait, pour construire l'économie d'un pays, il faut une vision claire. Au fait, si je prends l'exemple
ce qu'on reçoit dans nos mails, ils vont en général au spam, green card ou migration. Mm-hmm. Au fait, ceci, c'est, comment dire, pour un jeune, c'est une vision, c'est une direction. Après, s'il n'est pas pris en charge dans son pays, ça veut dire, s'il ne fait pas, si on ne lui a pas indiqué la vision, qui veut dire la direction, s'il n'arrive pas à se positionner et à se sentir en tant qu'acteur de changement, mm-hmm. bien sûr que un autre pays où il va se retrouver salarié. Mm-hmm. En tout oui. cas, il ne va pas entreprendre ou voler de ses propres ailes. Oui, oui. Voilà. Après, il y a les jeunes Algériens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En général, c'est des gens qui ont leur propre vision, leur propre rêve, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie. Donc, je pense que ceci est un facteur majeur, que c'est très important. Voilà. Pour que l'Algérien se positionne dans son pays, premièrement. Mm-hmm. Pour que finalement, qu'il envisage son avenir en Algérie. Ici. Voilà. Zaki Halel ? Moi, je pense que c'est une question de vision, mais aussi une question d'ingrédients, une question d'écosystème. Parce que pour avoir des entreprises et des startups qui émergent, il faut qu'il y ait une volonté d'un gouvernement qui est là, qui les appuie. Il faut qu'il y ait des institutions financières qui sont là pour les appuyer. Il faut qu'il y ait ces communautés d'entrepreneurs. Il faut qu'il y ait les laboratoires de recherche et de développement. Il faut qu'il y ait aussi des universités. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 piliers. Et aujourd'hui, moi, en 2015, encore une fois, et aujourd'hui 2018, je vois qu'il y a une véritable différence, une maturité et des pièces du puzzle, ces cinq pièces-là qui commencent à s'assembler. Je vois émerger des incubateurs qui sont des lieux de rencontre avant tout. Parce que pour pouvoir créer une start-up, il faut avoir des cofondateurs, il faut avoir des membres d'équipe. Il y a ce proverbe qu'on dit souvent à la Silicon Valley, lancer une start-up avec une personne avec qui vous voudriez prendre un café ou dîner après le travail. C'est-à-dire mm-hmm. des personnes avec qui vous vous entendez très bien, des personnes avec qui vous avez une certaine connexion, une certaine synergie d'idées. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on voit ces incubateurs qui naissent, qui émergent, qui sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange. On voit aussi des nouveaux modèles de clubs scientifiques, des écoles qui ont certains modèles de formation qui sont atypiques, qui sont là pour d'abord combler la désynchronisation entre des longs cursus qui sont là pour apporter la base, mm-hmm. mais il ne faut pas oublier que quand on fait master, plutôt licence plus master, c'est pratiquement 5 ans, et la technologie a changé en 5 ans. Donc il y a ce changement-là, cette désynchronisation-là. Ces écoles alternatives sont ici, aujourd'hui, émergent pour offrir et combler justement pour mettre à niveau ou mettre à jour, je dirais, les jeunes. Donc je pense que... Et apporter une alternative finalement au gap qui existe. Absolument. Mmh. Absolument. Un dernier mot pour vous, Iftini Zakaria. Bon, concernant la formation, je pense que tout a été dit par mes collègues ici présents. Mmh. Mais c'est vrai que La formation de base n'est là que pour nous apporter nos bases, justement. C'est à nous ensuite de continuer, de développer notre savoir, mmh. d'aller chercher les projets futurs. Ce que nous avons appris à l'école, ce n'est pas forcément ce dont nous allons pouvoir vivre et travailler dans le futur. On est obligé de s'adapter, d'aller nous-mêmes chercher une formation. Donc maintenant, nous avons beaucoup de débouchés pour trouver de l'information, pour essayer de développer ça. Donc non, il ne faut pas jeter la pierre aux jeunes. Au contraire, il faut les encourager à aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles technologies, et se confronter au monde réel, tout simplement. Parce que la vie n'est pas facile, et on subit des épreuves qui ne font que nous grandir. Merci Zakaria Iftini, merci à vous Rafika Mokhtari et merci Zaki Halel d'avoir été parmi nous. C'est ainsi que nous clôturons ce plateau dédié aux jeunes et à l'entrepreneuriat sur une note d'optimisme qui, on espère, continuera surtout à contaminer un maximum de jeunes. Ne baissez pas les bras, c'est à vous. Je rends le micro à Mahrez Rabia. Merci Melchmissi, merci à vos invités effectivement qui ont raconté leur épopée et une partie de leur aventure, même si on le sait effectivement, il faudrait peut-être beaucoup plus d'heures pour
pour raconter et les joies et les peines aussi d'un jeune entrepreneur. Alors, l'aventure continue dans quelques instants. C'est Mounir Larraj qui entrera en piste avec ses deux invités, ses deux jeunes femmes avec lui, ses deux artistes. Mais juste avant, comme le veut la tradition qu'on a tout simplement installée aujourd'hui, c'est que nous allons retrouver entre chaque panel Amin Kouider et Amir Nebash, évidemment. Amir, c'est à vous. Alors, merci Mahrez. Voilà, donc on reprend la musique avec l'orchestre symphonique Azema. Ils sont avec nous, les jeunes et puis les moins jeunes, bien évidemment. Mais en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté de partager avec nous et avec l'ensemble de l'Algérie cette fête nationale. Merci à vous de nous avoir invités. C'est un plaisir et ça va nous faire vraiment plaisir de vous entendre, de vous écouter, faire jouer ces instruments. Donc vous voyez déjà, il y a un dialogue entre les instruments, donc les instruments traditionnels, oui. Mais aussi donc les instruments d'un orchestre symphonique. Mmh. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de défendre. Donc c'est cette mixité sonore pour faire de la mixité aussi en termes de répertoire. Ouais. Alors à présent, on va proposer bien sûr à nos amis téléspectateurs de se laisser envahir par la mélodie parfaitement algérienne. Je le dis comme ça parce que c'est un morceau typiquement algérien. Vous allez nous expliquer pourquoi d'ailleurs il y a cette particularité algérienne. Le morceau suivant, il est extrait d'un film culte algérien qui nous a fait beaucoup rire. Il a fait rire des millions d'Algériens et c'est un hommage à un compositeur algérien qui est incontournable dans le monde du cinéma. Il s'agit d'Ahmed Melek, que vous avez connu très très jeune. Et puis c'est un hommage également à Moussa Haddad, qu'on remercie ce soir de nous avoir donné ou provoqué toutes ces émotions, mais également à deux comédiens, Hadj Abdrahman et Yahya Ben Mabrouk, l'inspecteur Tahar et son apprenti. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré pour choisir ce morceau-là, ce soir, en cette soirée si particulière? Moi, je trouve qu'il y a des choses dans la vie qui sont graves, mais la gravité, c'est l'absence de l'humour. Mmh. Et je trouve qu'à travers la musique, quand on arrive à développer donc, ce concept d'humour, à travers des sonorités, et Ahmed Mel, qui était un compositeur formidable, donc j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec lui, j'étais tout jeune, j'avais à peine 19 ans quand j'étais avec mon violon jouer dans son orchestre. Mmh. Je trouve ce compositeur génial parce qu'il a su mettre l'humour en musique. Oui. Comment ? En faisant des mélodies très très courtes avec juste quelques notes et dialoguer avec le rythme. Donc mélodie, rythme, mélodie, rythme. Oui. Donc c'est quelque chose de presque anecdotique, mais avec beaucoup beaucoup d'élan, un tempo assez rapide, c'est ce qui donne la vivacité donc, de cette musique, qui bien entendu est sous la forme symphonique. Mmh. Mais on a voulu aussi en deuxième partie, donc juste après, faire aussi de la musique universelle sous la forme algérienne. Mmh. On a pris le compositeur des compositeurs, Wolfgang Amadeus Mozart. Avec sa 40e symphonie, on a pris juste le premier mouvement, et à ce moment-là, on a orientalisé, on a algérianisé ce morceau en introduisant le qanoun al-oud, al-darbouka al-tar sur ces mélodies. Alors ça c'est particulier parce que habituellement on prend des musiques algériennes et on leur donne une forme symphonique. Et cette fois-ci, vous avez complètement fait le contraire, le chemin inverse, c'est-à-dire ramener la symphonie numéro 40 de Mozart, le premier mouvement, et vous l'algérianisez au fur et à mesure parce qu'on passe progressivement de la symphonie, quoi. On va l'écouter en sa forme originale ou originelle, mais en même temps aller vers l'algérianité à travers l'intégration d'instruments propres à nous. Il s'appelle WA, c'est Wolfgang Amadeus Hannes Mena Wahid Abdelkader Mozart. Eh bien, bon courage. Merci. Et faites-nous encore une fois rêver et faites-nous voyager à travers, bien sûr, vos mélodies. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Et bravo encore une fois aux musiciens Damien Quider et Amin Quider pour ces deux interprétations, ces deux morceaux choisis d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, nous passons à un autre panel. Il s'agit de Munir Larej. Alors, Munir, tout à l'heure, j'avais parlé de deux jeunes femmes. Je suis désolé, j'avais compté Ekenza Morsi et Imen Khmissi. Mais en fin de compte, pour votre panel, le panel en question, on va parler de culture, on va parler d'art avec
deux jeunes hommes et une jeune femme. La jeune femme est une star, elle est connue dans le monde arabe, elle est connue chez nous, il s'agit de Kenza Morsli. À vos côtés aussi, monsieur Tariq Khaled, qui lui est comédien de théâtre, le 4e art, est à l'honneur également. Et puis on finit avec Zakaria Allel, qui était dans le panel d'Imal Khmissi et qui est de retour, parce que Zakaria Allel, lui aussi, est passionné, mais cette fois-ci par le piano. Mouni Laraj, bonsoir, excellente célébration, c'est à vous. Bonsoir Mahrez, bonsoir à vous tous, merci, bonne fête à vous aussi, à toutes les Algériennes et Algériens qui nous regardent depuis Canal Algérie, l'une des cinq chaînes de la télévision algérienne, la télévision algérienne qui reste également un symbole d'une Algérie libre, indépendante et digne. Ce soir, à travers le sublime endroit, à savoir le Jardin d'Essai, et au pied du sanctuaire du martyr, ici à Alger, capitale de cette Algérie indépendante depuis 56 années. 56 années après une révolution qui reste une source d'inspiration intarissable pour chacun de nous, mais aussi pour nos artistes qui représentent la culture algérienne dans toute sa splendeur. Vous les avez présentés, ce sont donc ceux et celles qui font le nouveau paysage culturel. Ce soir, sont présents avec nous. En tout cas, vous êtes là pour représenter ce paysage culturel. Bonsoir, soyons galants messieurs. Bonsoir Kenza Morsli, plus à présenter, Morsli Kenza, une star algérienne et dans le monde arabe. Bonne fête et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie et j'ai envie de dire de l'Algérie. Bonsoir Mounir, bonsoir à tous et bonne fête à tous les Algériens. Merci d'être là parmi nous. Kenza Morsli qui s'est démarquée par sa jolie voix cristalline, mais aussi par son talent de chanteuse et qui sait peut-être musicienne d'ici là, à la fin de cette soirée avec Zaki Allel, Hadji Allel, rebonsoir, qui a sa place ici, dans on va dire ce plateau culturel, jeunesse et culture, mais aussi entrepreneurial avec Imen Khmissi juste à côté, notre voisine. Merci encore une fois d'être là parmi nous. Et Zaki Hadji Allel avec cet album qui est sorti, rappelons-le, il y a combien d'années Zaki ? Est sorti en 2013 et puis cet album a une belle histoire que peut-être j'aurai l'occasion de partager avec vous. Génial, avec 9 morceaux et je rappelle que vous êtes en pleine préparation d'un deuxième album. Tout juste 25 ans, il s'appelle Etahri Khaled, il est membre du mouvement théâtral Riyad al-Ibda de Fouka. Qui dit Fouka dit la ville aux 58 martyrs, qui dit Fouka également le martyr à la Rose Rouge, boulevard Ahmed. Ou encore le jeune martyr tombé dans le champ d'honneur à l'âge de 16 ans, à savoir Abed Hamid, ou encore le martyr rebelle Jafar Chef Akror, pour ne citer que cela. Bienvenue à vous, Marhaba Bek Khaled. Bonsoir, bonne fête pour tous les Algériens, ou Aïd Moukoum Moubarak, ou merci pour l'invitation, Mounir. Je le disais, une source d'inspiration intarissable, la révolution algérienne, et dans vos conceptions, on va dire, de pièces théâtrales, dans Ibda, plutôt Riyad l'Ibda de Fouka. Alors, je citerai bien évidemment, à titre d'exemple, la pièce théâtrale, celle nommée Rehlet Jihadou, le voyage d'une lutte. Et vous avez donné cette, on va dire, pièce théâtrale, bien évidemment, pièce théâtrale, tous les sacrifices de tous les martyrs, femmes et hommes, petits et grands, qui nous ont permis, bien évidemment, de vivre, bien évidemment, sous un ciel d'une Algérie libre et indépendante. Et vous avez, bien évidemment, donné des représentations théâtrales dans des écoles. Vous, à 25 ans, vous qui avez juste 25 ans, bien évidemment, vous donnez, on va dire, une certaine leçon, bien évidemment, vous donnez le flambeau à ces enfants-là. Oui, je veux remercier le réalisateur, Youssef Habouch, les clients du spectacle. Le spectacle, c'est une aventure, les tahki à les régions de Dzaïr, que ce soit dans le Janoub ou le Chamal ou le Cherq, ou dans les régions de nous. Donc, on a parlé du jihad ou de الجهاد اللي داروه جدودنا في قاع المناطق الجزائريه بكل لهجه تاعهم قاع واش مدوا واش قدروا يمدوا وكي لعبنا السبيكتاك هذا قدرنا نوصلوا الميساج دافري لانتربريتاسيون تاع لي كوميديان اللي كانت باسكو باش توصل الميساج باش الناس ترياجي معاك وتبكي وتحس بالحراره الوطنيه هذيك دونك الحمد لله اللي قدرنا نوصلوا الميساج وي قدرنا نوصلوا الميساج باسكو رانا نهضروا على حاجة تاع الوطن نهضروا حاجة تاع حاجة من القلب كي قدرنا نوصلوا الميساج نحكيوا على سيجي تري سونسيبل بزاف وربي يرحم شهدنا الأبرار ربي يرحمهم ويوسع عليهم et vous pouvez passer le message avec une pièce théâtrale mais aussi par une chanson qui dit la chanson dit la chanson patriotique et l'on citera à titre d'exemple ربي يرحمه علي ماشي et je rappelle
qu'il existe une, on va dire, Moussa Barra, plutôt un concours nommé Al-Maashi, celui, le concours du président de la République. Kenza Morsli, vous aussi, vous êtes cette ambassadrice de l'Algérie, de la culture algérienne, de la musique, de la chanson algérienne à l'étranger, et vous le faites divinement bien. Oui, alhamdoulilah, les jatni had l'occasion bach nkoun un exemple. La jeunesse algérienne, le monde arabe, beaucoup plus. L'expérience est avec une Star Academy monde arabe. Alhamdoulilah, j'ai pu le minimum, bon, le maximum, c'est le minimum, bien sûr. Au moins, il y a le drapeau algérien, Bachnas Kamel Tchouf, surtout beaucoup plus la chanson. Parce que nous avons choisi le sujet. Je parle beaucoup plus à la chanson algérienne, les Barami Arfouhash. La plupart savent le Rai, parce que le Rai est international. Bien sûr, on a nous d'autres genres, d'autres styles de musique, exactement. C'est le message que tu as